Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfork pour un nouvel épisode de Crazy Machine 3 en compagnie de FoxDie. Ça va Fox? Ça va, alhamdoulilah, bismillah, bismillah. Allez, vas-y, c'est parti, l'entrée bloquée, on perd du temps, vite le speedrun. J'ai dit ça va, bismillah, bismillah, et toi? Ah, ça roule. Ça roule. Nous sommes à deux doigts de faire une découverte archéologique importante, mais nous devons sillonner l'entrée de cette pyramide. Appuyez sur la gâchette pour faire sauter ces pierres. C'est à ton tour. Je te laisse dans la salle. Le mec direct, il a vu le truc, il a fait derrière toi. Nique-toi bien, va crever. Alors ça, ici. Non, bon, le je veux pas. Ça là. Bah, ça va tomber. Oui, voilà. Ça tombe. Ouais. Oh, le jeu est pas rigolo. Oh, est-ce qu'il y a un truc qui fait du vent là? Quelque chose là? Des bois là? Ça fait du vent. Ben, voilà, excellent. Mais ça veut pas, d'accord. Faut que je le pose là, genre. Toi, faut que je te pose là. Toi, je peux te raccorder là ou c'est mort? Bah, il veut pas. Alors ça. Ah, on est trop loin. Oh là là. Faut commencer par la fin, mec, je pense. Là, tu commences par le début. La fin, c'est de faire bouger le ballon de basket avec. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux commencer moi, par la fin. Je pense que t'es dégoûté parce que j'ai déjà gagné. Hein. moi je dis la vérité, monsieur. Hein. La vérité, c'est que t'es déjà dégoûté parce que j'ai déjà gagné. Commencer par la fin, voilà. Ah, merde. Déjà là, ce sera joli. Mais Taras, mais. Ah, merci. Toi. Mais non, mais je voudrais te brancher. Ah non, on doit te brancher. Ok. Tu reçois cette énergie là donc. Ah mais on peut pas. Et on peut pas là à cause des plantes. On peut pas. C'est pas possible. Donc, l'élément le plus logique sera de te brancher toi à toi. Mais du coup, t'accrocher une loupiote. Mais la loupiote, elle va tomber par terre. On s'en fout que la loupiote tombe par terre. En vrai, on s'en fout. Attends, ça faut que ça remonte. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Ah, on a pas le droit de traverser la planche de bois. C'est chaud. Ah, oh, mais les petits bâtards. Tu veux mon avis? Mais non, mais là... Bah, essayons, peut-être. Là, ça, c'est bâtard. Attention, moi, je vais chercher le pixel vengeur. Ça continue comme ça. Est-ce qu'il y a moyen d'arnaquer un truc comme ça? Oh, mais je veux pas. Ouais, il y a moyen. Attends. Il y a moyen. Pourquoi? Est-ce qu'il y a moyen? Allez, laisse-moi t'arnaquer, que je sois cool. Oui, il y a moyen d'arnaquer. Si ça fait de la lumière. Oh, ça fait monter le ventilo. L'escroquerie. L'escroquerie complète. J'ai pas utilisé un seul laser. T'as niqué 5 objets, mec. C'est à toi, Fox, je t'en prie. Alors, salut les escroqueries jusqu'au bout. J'ai placé ma petite ampoule dans un coin, j'ai fait OZEF. C'est ça. Ça passera très bien. Oh non, que vois-je? Cette caisse avec les fruits rares est exposée au rayon du soleil, elle doit être déplacée vers l'endroit. Tout ça. Je crois qu'il faut faire une voiture. Hein. Faut faire une voiture. Ah. On va zoomer pour c'est faire cool, la voiture. Ça. On va zoomer. Des vrais constructs. On va se faire une petite tour voie du futur. Je pense que déjà là, déjà les roues sont inversées. Les roues petites derrière, les grosses roues devant, hein, comme dans les vélos de Yann. Exactement. Ok. Ensuite, on a une batterie, il faut la poser quelque part. Ah ben déjà, on va mettre la voile déjà. Eh oui, il faut hisser la grand voile. On va mettre la voile ici plutôt. On va mettre le ventilo ici. Le ventilo. Voilà, et la petite sympa. Et la voiture. Et en marche. Vas-y. Pousse. Pourquoi t'as un truc super facile juste après moi? C'est quoi la logique? D'où c'est facile, mec? Arrête, ça va. Le mec, il avait 5 pauvres éléments pour construire une tuture, quoi. Ça va, quoi. Arrête de le plaindre. J'hallucine.
Ah non, à mon avis, on n'est pas à 64. Hein. Ah oui, ça c'est la mienne. À mon avis, ça, ah non. Non, on va retourner au menu là. Menu. Non, t'es en train de cliquer en même temps que moi, c'est ça? C'est ça, vas-y. Vas-y, je te laisse faire. Non, on te regarde. Oui, c'est là. Ça a l'air compliqué par ici, là. Il y a des choses que je connais pas encore. Détergent. Détergent, c'est parti. Hier, un morceau de nez d'une statue m'est tombé sur la tête. Après avoir repris connaissance, j'ai eu la vision d'un détergent blanc révolutionnaire. Activer la machine à laver pour constater les résultats du lavage plus blanc que blanc. C'est transparent. Alors, on a quoi? Bah vas-y, juste on va faire rouler un peu. Oula putain, oula, attends, il y a un bordel dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des trucs qui partent par là. Il y a une fusée là, j'ai vu. Ah oui, d'accord, il y a vraiment une fusée qui se barre pour se barrer. Un ballon, deux ballons, un truc qui se balade, ok. Et un truc contre un pont américain, très bien, ok. Ouh, je suis pas saoulé du tout déjà. Alors, on commence par la fusée. Est-ce qu'on peut réquisitionner une fusée s'il vous plaît? La fusée elle est pas très coopérative. C'est plus facile que la voiture. Oh, le salaud. Ok, d'accord. Ah ouais, j'avais pas pensé à la taille du tube. D'accord, donc taille du tube. Ensuite, patate de four, hein. Je pense. On est pas mal, là, donc ça active un machin qui active un autre machin, qui sûrement qui active des trucs, qui fait tomber ça dans la cuvette des toilettes. Oh, ça me fatigue. Y a pas une histoire de ça, là, à un moment donné. Moi, je dis, il faut déjà que tu mettes le rail. Le train-train, ouais. Le train-train, tu penses que c'est vraiment nécessaire? Non, ouais. Ah bah oui, on va mettre la machine à laver dessus. C'est exact. Bien vu. Attends, il faut que j'envoie ça vers de nouveaux horizons, ça, en fait. Non mais ça sert à rien. Pourquoi je me balade avec un tonneau là? Attendez, laissez-moi arnaquer le jeu. Arnaquer le jeu tranquillement. Je vois un peu ce qui cloche dans cette histoire là. D'accord. Bon bah déjà l'autre l'a mis beaucoup trop loin, hein, Osef. Ou alors je te rajoute un petit tonneau derrière. Ajoute un petit tonneau à cul là. Non, on n'a pas le droit. Moi je voulais me servir du tonneau, je trouvais ça génial. Et là comme ça. Ok, bah c'est encore plus près, hein. C'est encore plus comme ça. Bah du coup je vais être obligé de te rajouter toi, hein. Sinon on n'aura jamais assez de patates. Ah si, ah d'accord, ça passe pas quoi. Okay. Là comme ça, vas-y, pousse. Pousse, donne tout ce que t'as. C'est bleu. C'était trop. C'était juste trop. Le jeu m'a dit non. Le jeu m'a dit arrête tes conneries. Moi je pense qu'il y a une histoire de ça. Je suis même pas sûr si j'ai besoin de mettre ma patate réellement plus loin en fait. Parce que lui il gigote un peu là. Ouais, si j'ai besoin. Hein, j'ai besoin. Alors attention, c'est parti pour les réglages de la Pokéslip. C'est parti, hein. On règle les détails. Voilà. Le fil pour les wagons. Ah oui, c'est exact. Bien vu. Du coup, t'as couillé un objet. Ouais, le tonneau. Je sais pas à quel moment il est censé apparaître. Et encore, j'ai couillé un objet, excuse-moi monsieur. Mais enfin, si je veux le refaire, voilà, je prends ça. Ah non, merde, juste celui-là. Voilà. Voilà. Est-ce que l'escroquerie ne serait pas complète comme ça? Ah bah non. Oh, oh, oh. Non. On s'est fait avoir. Bon, on s'est fait avoir. Écoutez, désolé, je vous remets ma barrette. Bon, j'ai arnaqué un tonneau. Je sais pas si c'était normal d'arnaquer un tonneau, mais j'ai arnaqué un tonneau. Voilà. Bon, par contre, là, c'est ultra smooth. Hein. Là, ça... là je veux la... et j'ai la même à la maison. Je te laisse faire suivant. Non, je fais suivant. Je t'envoie sur le next. On est sur la pyramide. On a fait détergent et la lumière fut. Vas-y, Fox, fais-toi plaisir. Quelque chose a disparu dans la crevasse, là-bas. C'est trop sombre pour voir. Merde. Activez l'ampoule. J'ai besoin de savoir ce que c'est. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des trucs qui tombent. Il y a des trucs qui tombent. Moi, je vois qu'il y a une arbalète à droite.
Il faut qu'elle soit calée l'arbalète, sinon ça va pas bien tirer. Donc déjà ça, c'est fait là. Ensuite, je vois que ce pneu à droite, le pneu en haut à droite, là, il doit pousser la manivelle. Donc, c'est exact. Un petit ballon. Attends, ça ici, là, tranquillement. On va voir ce que ça passe. Ah, c'est pas là que t'es censé rentrer une corde dans l'histoire ? Si, je pense que c'est là. Parce que je vois que le colis a... Là, exactement. Le colis va pousser le... Exactement. Wouhou ! D'accord. Et après... Et là, je pense qu'à un moment donné, t'es censé voilà, taper sur une voiture. Une petite voiture. Exactement. Oui. Et là, plus rien. Et là, franchement... voilà. Et là, que, t'es... Je pense que si le ballon, il est là, ça va rouler avec tes... Tu vois ce que je veux dire ? Le ballon va rouler avec la roulette. Le super ballon. Tu vois ou pas ? Vas-y, essaye. Ah ouais, tu penses vraiment que du coup, ouais, avec l'effet de... La roulette. Ouais, ça pourrait être rigolo. Ah bah ça roule. Ah oui. Voilà. Ah bah pas assez. Pas assez, on dirait. Bah ça sert à rien en fait. Y'a pas un domino en plus, non. Oh. C'est peut-être trop loin le ballon. Je te sens contrarié. Ouais, je me sens moi-même contrarié. Hein. Alors qu'on pourrait arnaquer tellement de trucs. Allez, pousse. Putain. Bon, ça marche pas. Le ballon, non. Je ne sais pas du tout, là. Déjà, je peux enlever tout ça et mettre que le ballon. Si j'enlève tout ça et je mets que le ballon, je peux récupérer une planche, je peux récupérer une corde, je peux récupérer... Quoi d'autre ? Bah c'est tout, une planche, une corde. Je pense qu'une planche, une corde, c'est pas suffisant pour faire la fin. Ouais. Ce que tu n'as pas essayé, c'est tout simplement si tu plaçais ton bouton ton ballon en dessous du bouton, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arnaquer la fin avec juste un ballon? Genre en dessous de tout ça. Ah non, le jeu il a dit non. Non, arrête tes conneries. Je suis un peu au jeu, salaud. Non, le jeu était pas d'accord. Le jeu il est pas rigolo. Moi, là, cette histoire de caisse qui est poussée mais pas ramenée, ça me paraît un peu bizarre en fait. Je sais pas, j'ai envie de retenter le ballon. Parce que c'est, ça y est presque, hein, mais ça y est pas. Allez, tourne plus vite. Ah ! Comment on pourrait faire, hein ? Il manque un domino en fait, c'est dommage. Soit un domino, soit un colis, soit un machin en fait. Parce que l'autre chose qui serait possible, ça serait d'avoir deux éléments sur le tapis à pousser pour qu'il y en ait un qui commence à glisser dessous en fait. Mais c'est pas évident. Si je mets ça là... Ah, tu veux tenter un colis, ouais. C'est la connerie que j'aurais tenté, ouais. Vas-y. Vas-y, mon dieu, rêve. Pour pousser ça, je mets ça ici. Allez, oui, ah, ça rentre. C'est pas mal. Donc, tous les premiers trucs, on en a pas dedans. Déjà, j'enlève tous les premiers trucs. Ça, corne. Planche. Ah, ça y est, ça y est, maintenant c'est devenu un escroc professionnel. Ça y est, tu t'es dit l'escroquerie, c'est vraiment devenu le projet de ta vie. C'est ça. Allez, pousse. Mais c'est ça qui pousse en fait, ça va jamais aller. Ça le pousse pas, ouais. Non, ce qui. La planche ne sert à rien. Non, la planche ne sert à rien dans cette histoire. Ouais, ça sert à rien, de toute façon. Des grosses caisses, ça servira à rien. Moi je dis, ça peut être ça, mais je suis pas sûr. Attends, voir, remets ton ballon là où il était. Je suis en train de visualiser une escroquerie. Vas-y. Incroyable.
Excuse-moi, je tente un truc. J'ai envie de t'enlever toi. J'ai envie de te descendre toi ici. Est-ce que... Ah, tu veux pas ici? Ici alors. Et tu tomberas pas là. Ah, c'est dommage. J'aurais juste essayé de t'arnaquer là-dedans là. Ah, on n'est pas loin. Il y a moyen. Hein. Il y a peut-être moyen d'arnaquer un truc. Ah non. Ah, le jeu a été bien pensé. Hein. Désolé, je te laisse bosser sur ton projet. Est-ce que le colis, on peut pas genre le glisser là? Parce que moi, là, ce qui m'intéresserait, ce serait de me dire si je te pousse avec le colis, j'ai plus de force. Mais ça a pas l'air. La corde, on peut la. La corde, on peut pas l'amener ailleurs sur. Ah, on peut attacher un ballon! Ouais. Bon, dans cette histoire, je vois pas trop à quoi nous servirait attacher un ballon. Mais bon, vas-y, je te laisse réfléchir. Ah, je te sens en train de griller des neurones pendant que moi aussi j'essaie de griller des C'est neurones. dur, hein. Attends, tu l'as passé toi en plus, donc tu sais comment ça se Ah, fait. mais il y a longtemps. Ah, c'est tout l'intérêt. Yes. Toi, t'as peut-être une idée là, non? Je sais pas, moi j'ai peut-être. Ah, j'en avais pas, moi j'aurais bien testé des escroqueries encore et encore, tu sais. Voilà, moi je suis un neuneu, hein, moi j'essaie des trucs d'idiot quoi. Voilà, tu vois, j'essaie des trucs stupides quoi. Voilà. Et pour le de pas être très intelligent, c'est que t'essayes des trucs stupides quoi. Ah mais non, c'est je peux pas le bouger, je suis couillon. Écoute, vas-y, je fais ça, on verra bien déjà. Ah oui, non, il faut ça, c'est ça. Vas-y, hop là. Ouais, ton machin, ton colis qui tombe, paf. Pastèque, on est content quoi. En sachant qu'avec un ballon, on peut à n'importe quel moment escroquer. Ça va dedans. Avec un ballon, on peut escroquer ça. Et toi, je te place là. Parce que je suis un connard. Ah, mais le colis, genre, juge pas assez lourd. Mais la blague! Le ballon est trop fort en fait. Le ballon, c'est ce qu'il y a de plus fort dans le jeu. Mais ouais, tu m'étonnes, c'est l'énergie de demain. Non, voilà, clairement, c'est pas fait pour être posé là. Hein, donc non. Non, je vois pas trop, hein, j'avoue. Attends, on va reprendre comme tout à l'heure. Je pense que Vas-y, c'était je plus laisse. logique en fait. Le plus logique, c'est que ça aille là, que ça active la cacahuète de camionnette, et Et le puis c'est ballon, ce dimensionné soit là. parfaitement pour ça, en fait, hein, c'est surtout ça. Aussi. Voilà, corde, on peut en fixer qu'une. Alors on est d'accord que là, la camionnette va avancer, va activer ça. Et on n'a plus qu'un ballon. Putain. Le ballon est bloqué là. Non, je vois pas. Putain. Le ballon est poussé depuis le plus loin possible. Avec le plus de force possible, ouais, j'entends bien, ouais. Putain! Il est sérieux ce Il a domino? hésité. Essaye juste en arnaque de jeu, en vitesse rapide. Parce que Genre. des fois, ça change les physiques dans ces jeux. Ah. Allez! On va voir en vitesse normale quand même Je pour suis pas se tellement louper. un escroc! Non, on va voir en vitesse normale. Ça passe en vitesse rapide, la gueule. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ah non, ça Ah, passe, ça ça passe. passe même en normal, C'était le voilà. millimètre du C'est ballon, quoi. juste parce que depuis le début, on n'a pas de bol, en fait. C'est le millimètre du ballon. Ouais. Ah, mais T'avais la c'était bonne salaud idée depuis le là-dessus, début. hein, putain. Millimètre du ballon. Et. Démolition. Démolition. Non, et pas et, hein, on n'est pas en avance, hein. On perd beaucoup de temps depuis tout Tout à à l'heure, l'heure. c'est clair. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un doit abattre cette vieille baraque, c'est toujours moi qui dois tout faire. Ou vous? D'accord, c'est votre tour. Démolissez-moi ça. Oh, il faut tout faire péter, j'adore. Ah non, c'est avec des boulets. Oh non, il n'y a pas d'explosif. Bon alors, il se passe quoi là dans le jeu? Rien. C'était bien.
Alors lui, il y a une histoire de poids là au bout de son truc là. Ça a l'air très rigolo ça. Moi j'ai envie de. Ah oui, d'accord, la corde n'est pas aussi longue que ça quoi. D'accord, bon. Bon, ok. Admettons. Admettons, admettons. Moi il me faut un truc pour activer ça. Donc il me faut un poids. Ça c'est un poids quelconque. On est d'accord. Qui possède un quelconque. Ah oui, mais non, ça marchera pas. Attends, je découvre des mécaniques de jeu. Hein. Vas-y. Alors, je comprends pas tout. Il y a un poids et il y a. Je sais pas quoi. Ça, je sais pas si c'est des poids en fait ou si c'est des fixations béton. Viveldop. Allô ça, on peut pas fixer de trucs là-dessus. Ah, si. D'accord, donc non, je ne peux pas. Sauf si je te décale. Si je te décale là, ce qui est complètement ouf. Mon petit poids, je vais le prendre là, là. Poser ici, là. Ça va activer ça tout de suite. Hein, paf. Ah, ça active rien du tout. C'est genre pas du tout assez lourd. C'est genre, vous êtes ridicule. Oui. Non mais c'est quoi cette blague? Bah, déjà... Alors j'ai un truc électrique, alors bon attends, on va commencer par le début. Moi j'ai essayé de commencer par la fin pour te faire plaisir, mais je crois que je vais commencer par le début parce que là... Là il nous faut le pouvoir de la force. Ici il y a rien qui marche, je vois pas l'intérêt de ce truc en fait. Voilà. Wow. Vire-moi ça. D'accord, ok, c'est gêné par, par un truc. Donc il faut soulever, viens-moi ça du coup, parce que ça en fait c'est pas assez léger. Du coup c'est quoi l'idée? C'est d'utiliser, est-ce qu'on peut utiliser, ouais parce que c'est ça aussi la question. Est-ce qu'on peut genre prendre ça là, le placer là, et lui genre par là, pff, on s'en fout, on le met dans le vide. Pour par exemple, tac, et puis, tac, non ça marche pas. Je vois pas l'intérêt du coup. Ouais c'est ça du coup, je vois pas trop l'intérêt en fait. Mmh. En fait l'intérêt de ces trucs là est assez limité en dehors de dessiner un trajet. Je crois savoir. Au ballon. Vas-y. Tu vois sur le... Bah sur la statue. Au niveau oui. Du cou, ça ressort un petit peu. Je crois qu'il faut utiliser ça. En tant que pivot. Pivoter. Et faire... Genre. Bah non, pas comme ça, tu vois. C'est bon, ça. Bah non, parce que c'est du décor. Ah oui. C'est du décor, mais qui rentre en compte, tu vois. Oui, oui. Donc si tu fais ça. Ah voilà. Oui, d'accord, ok. Si tu fais attends, ça, bah, si ça va remonter la main et ça va débloquer le ballon. Yes, vas-y, on voit la lecture. Ouais, ça doit être ça, forcément. Ouais, c'est forcément ça. Bien vu. Et le reste. Tac. Lui part par là. Sauf qu'il tombe là-dedans et c'est pas là qu'il faut qu'il parte. Donc, on part sur un truc comme ça. Là. C'est vraiment le jeu. Merci. Alors, c'est vraiment ça la nullité du projet. Ok. Ok. Et ici, il faut refaire la même chose et point barre. Il est pas fou hein ce niveau hein. Je suis pas le genre de mec convaincu. Hein. C'est parce que t'as été piégé qu'il est pas fou. Ouais non parce que mais ce jeu de cordes en fait il y a juste ça qui se fait buter après tout le reste est une banalité d'une logique. Ah oui ça c'est. C'est juste ça c'est pour ça que je trouve ça un peu moche. C'est-à-dire que le seul élément qui te bloque sur celui-là c'est un élément que tu connais pas. Qui est d'interagir avec un élément de décor pour mettre des cordes. Donc je trouve ça. On est quoi? On est là-dedans? Ouais, on est là-dedans. Du coup, roi Clumsys. Alors c'est pour toi, Fox, hein, bon courage. J'ai tellement hâte! Ils viennent de découvrir une porte qui devrait nous conduire au tombeau du roi Clumsys. C'est mon moment historique. Mais la porte est coincée. On a besoin de plus de puissance tirée dessus pour l'ouvrir. Ok. Donc il faut juste brancher ça. On va commencer par la fin. Hein, on va faire les choses méthodiquement. Voilà, il faut juste brancher le canon laser. Alors.
Ah, mais il faut faire tomber la bouilloire, tu sais, le gars il voit déjà tellement loin. C'est ça, faire tomber la bouilloire sur le... Enfin, c'était la chose, seule chose qui se branchait. D'accord. Alors, l'interrupteur, il va être alimenté, c'est bon, on peut faire tomber la bouilloire. Comment on peut faire tomber la bouilloire? Il faut peut-être mettre un laser pour la bouilloire, mais bon. Non, moi je te propose simplement de faire tomber une enclume sur la plaque qui est tout en haut à gauche. Là, tu vois, très, tu vois dès le départ. Fais tomber une enclume sur la plaque tout en haut, en, tout en haut à gauche. Il y a une prise. C'est marrant les prises. Une enclume ici là ? Non, non pas, pas, pas sur la plaque, mais sur le levier de la plaque. Ah, ah oui, il peut être accroché ce truc. Oh. Déjà ça. Hop. Je pense que ça va le faire. Plus ça. Ça plus quoi ? Plus un deuxième peut-être à côté. Bah oui hein, te gêne pas. Contre, par contre il va te saouler pour que tu les places bien sur les barres. Une enclume et... Une enclume qu'il faut juste, voilà, suspendre. C'est chaud à suspendre à ça. À côté de ta bouilloire. Plus proche de la bouilloire en fait. Comme ça? Yes. Ouais, tout à fait. J'ai... Et là ça marche. Ah, je pensais qu'il y avait plus de fonctions pour l'enclume. Pouf. Il y avait quoi derrière? Bon. Des crânes. Pour le trône de crâne. Ok, bah tu vois par exemple celui-là, voilà, il te faisait réfléchir un peu, mais il t'avait pas non plus des trucs bizarres de derrière la pose casse-lip quoi. Pouf. Et donc on est parti sur la roue dentée impossible. C'est la fin monsieur, c'est mon épisode, c'est mon moment de gloire. Un vieux prêtre m'a dit qu'il ne fallait jamais frapper le nez du roi Clumsys. Ridicule, ce n'est rien d'autre que de la superstition, mais je vais le prouver, ils verront qu'il ne va rien se passer. Donc il faut lui coller un bourre-pif. Pourquoi il y a un système de gravité? Oh là là, ça sent le vice. Où ça sent le vice? Si je mets lecture, il se passe pas grand chose à part que cette roue se balade toute seule. Cette roue se balade toute seule. Oh attends, est-ce qu'on peut faire un truc rigolo comme ça là? Est-ce qu'on peut vraiment faire un truc... Bon voilà, alors moi déjà juste parce que j'ai envie de rigoler. Je sais que vous êtes pas drôle, mais moi j'ai envie de rigoler. Moi ma vie elle est fun, voilà. Faut respecter ça. C'est fun radio. Ça doit être ça. Alors j'y crois pas le coup de la batterie avec le Zev qui pousse le machin là. Je suis pas sûr. Hein. Toi tu tombes. Ah déjà t'es trop lourd. Moi je sais. Je pense ça. Qu'il faut mettre un écrou là-haut. Comment ça s'appelle? Oui mais on n'a pas d'écrou. Ouais, mais il faut faire balader l'écrou. Et avec la gravité, tu vois ce que je veux dire. Je peux voilà. Faire balader moi ton écrou. Voilà. Et à un moment, la gravité fera que l'écrou pourra se mettre là-haut. Ouais, enfin, l'antigravité du coup. Je vais être embêté dans tous les cas par le piouk-piouk laser. Ouais, non, le piouk-piouk laser ça va faire tomber l'écrou, déjà. Non, il veut pas. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc l'idéal là c'est d'alimenter ce truc là non? C'est déjà alimenté ouais, hein. Il faut juste appuyer dessus. Ok, faut juste attendre que mon écrou vienne se claquer voilà, là entre tout ce bazar, c'est ça? Mais il y vient pas en fait, parce qu'il est dissident. Du coup qu'est-ce qu'on fait? Il démerde. Du coup voilà. du coup ma vie c'est de la merde, mais le problème c'est que ça c'est un moteur. C'est censé être alimenté par quelque chose. Oula. Attends, je. Tu nous remets la caméra, s'il te plaît. J'ai l'impression que j'ai une sourcille souris un peu trop élevée. Voilà, merci. Ok, parce qu'on a un vrai problème là en fait avec cette pièce là. C'est peut-être le ballon qui est mal positionné. Hein. C'est peut-être le ballon qui est mal positionné. Essayons un ballon plus court, par exemple, tout bêtement. Ah bah voilà. Bah, voilà. La ville voilà. À Bréauchamp. Par exemple. La ville à Bréauchamp. Ah, là ça allume tout. Et voilà.
Il fallait juste une mèche plus courte. C'est toujours comme ça en démolition. Il y a les pyramides. Il y a les pyramides qui s'envolent. Voilà. Eh ben, on a gagné en 30 minutes, hein. Putain, il y a un niveau où on s'est mordu les dents dessus, hein. Oui, c'était le cas. Ah démolition, je crois. Non, et la lumière fut. Avec ton ballon qui ne voulait pas y aller, quoi. C'est ça. Le ballon qu'il fallait mettre au millimètre, même. En plus, on avait la solution dès le départ, mais... Oui, c'est ça, hein. C'est juste que le jeu voulait pas, quoi. Bon, bah, des bisous, YouTube, hein. Bisous. Et à la prochaine, hein.